Salut à tous, bienvenue! Nouvel épisode sur Solar H. J'ai kiffé le jeu, donc pourquoi pas faire un épisode 2? Là, j'y vais à tâtons sur ce jeu. J'ai juste peur qu'il devienne répétitif par la suite, donc je me garde un droit de réserve, savoir si ça va être tous les mercredis. Mais en tout cas, j'ai envie d'en voir un épisode 2. J'ai envie d'en voir plus. Là, j'ai joué à peu près une demi-heure, donc j'ai envie de savoir un peu plus. Le jeu dure à peu près 5 heures pour faire l'histoire, 7-8 heures si vous voulez vraiment finir le jeu à 100%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des trucs à récolter pour améliorer sa tenue, etc. Mais je veux en savoir plus. Donc, installez-vous, mettez-vous bien, à l'aise. Petite boisson que je n'ai plus. Putain, j'ai fini mon café, fait chier. On poursuit sur l'arrache. On est arrivé dans la cité brisée, ravagée, c'était, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1, allez voir l'épisode 1, parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre qui est mon personnage, quel est mon but. Mon but est, pour l'instant est très simple. Il y a une planète qui doit être quelque part là-haut, là, voilà. Là-haut, et en fait, apparemment, c'est ma planète qui est inexorablement attirée par le gros vestige qui est juste là, et elle est vouée à disparaître. Et mon but, c'est d'essayer de la sauver. Le problème, c'est qu'il y a une entité, qu'on ne sait pas encore ce que c'est, qui est découpée en petits morceaux et qui a l'air de beaucoup saigner, qui, elle, n'est pas forcément d'accord avec ça, et qui essaye de me raisonner. J'ai l'impression, j'ai pas l'impression qu'elle soit mon ennemi réellement. On dirait plus qu'elle essaie de me raisonner, de ne pas sauver la planète, juste de... soit d'accepter mon sort, soit d'essayer de voir plus loin. Je sais pas, mais en tout cas, je la ressens pas comme une ennemie. Même s'ils ont essayé d'en faire un personnage très... très sanglant, très... je sais pas comment expliquer. Mais j'ai du mal à la voir comme une ennemie. Donc, on va voir ça un peu plus en détail, un peu plus loin dans le jeu. Mais voilà, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, allez voir hein, le premier épisode. Ah, déjà des nouveaux ennemis. Alors, j'aurais aimé... oh là 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 là. Ok, d'accord. Ok. Je comprends mieux leur but à eux. J'ai cru qu'il allait exploser. Il faut que je reste à distance. D'accord. Alors là, il y a un truc. C'est les petits cailloux. Les cailloux comme ça, blancs, il faut que je les détruise. Et la bouillasse violette à côté qui brille, il faut la détruire. Parce qu'elle pollue ce monde. C'est putride, précisément, comme ils disent. Il y a des boucliers un peu partout. Et pour améliorer mon bouclier, et je fais un petit rappel pour tous ceux qui voudraient la flemme de voir l'épisode 1, ça me permet d'améliorer mon bouclier. Là, il me faut 2100. Enfin, c'est du plasma. Afin de pouvoir améliorer mon perso. Hop, hop, hop. Ok. Ok, alors j'ai eu un appel, donc il faut que je me remette dans le jeu 2 secondes. On peut pas tourner tranquille dans ce monde. Hein. Le grappin. Rappelons-nous les touches, ici. Et pour le grappin, ne pas hésiter à utiliser ça là. C'est la petite barre jaune qui permet de ralentir le temps, qui est très pratique parce qu'elle te permet déjà de prendre le temps de viser et d'avoir le grappin sur une plus longue distance. Et ça, je peux vous dire que c'est pas rien. C'est très pratique. Ok, ça c'est fait. Là, je peux aller par là. Ah, elle est là, la petite pipique. J'aime bien le concept, c'est tellement fluide, c'est tellement agréable. Alors là, il y a une porte ici, il y a une porte là, c'est quoi ça? Hein? Ah, des raccourcis. On dirait un ascenseur. Ce qui est cool par contre, c'est que je suis bientôt à... je trouve plus mes termes. À avoir une nouvelle... assez, on va dire, assez de pognon de... je trouve plus mon terme. De plasma. Pour monter un niveau. Ah ouais, c'est des raccourcis, regardez. Hop, non, pas comme ça. Hop. Yes! À mon avis, on pourrait aller plus haut. Et là, il y en avait un autre ici. Et à mon avis, celui-là, il faudrait que je l'active de tout là-haut. Qui me permettra de monter beaucoup plus rapidement. Là, il faut que j'aille péter la gueule du pipi qui est là-bas. Ah. C'est très très agréable à jouer. Hein. Vraiment, c'est ultra fluide. Hein. Bien sûr, disponible sur le Game Pass. Parce que quand je n'ai plus d'argent, je vais sur le Game Pass. Oh, attends que je réfléchisse, qu'est-ce qui va pouvoir être fait? En ailleurs, il va falloir que je fasse tac 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 et que j'aille là-bas. Ok,
Attends. Ok, il est là. Je préfère attendre et savoir ce que je fais. Ok. Bim, on y est. Là, c'est la bonne. Hop. Là, je ne sais plus où je dois aller. Ah! Ok, je comprends pourquoi il fallait un raccourci. J'ai un peu de mal à suivre le truc à chaque fois. Yes! Hop les. Oh, c'est tellement cool! Alors là, il faudra que je descende là, que je remonte au grappin, là, au grappin là, pour aller péter celui qui est là-bas. Voilà, là, je suis un peu trop loin, mais hop, si je visse comme ça, je suis assez près. Hop, ok. Hop, ok. Hop, là, je peux le faire. Tac, et en plus, ça me permet de gagner du temps! Hop! Et mince, et mince, et mince. Ah, c'est chaud celui-ci. Hein. Il est chaud à atteindre. Hein. Il est très très chaud à atteindre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ah non, je suis trop nul. Stupido. Ce qui est cool, c'est que moi, il n'y a pas de dégâts de chute. Donc, on va dire une faute, c'est pas si grave. Hop, je suis trop loin, mais non, je ne suis pas trop loin. Je suis juste à la bonne distance. Hop, on va comme ça. Ici, je peux faire ça. Hop, qui m'emmène là? Ah non! Bordel, que c'est chaud! Que c'est chaud d'avoir le rythme, parce que mine de rien, le temps est très court. Et c'est que les premiers. Bien entendu, si besoin, je vous aurais coupé tout ça. Alors normalement, c'est les let's play de la détente, le mercredi. Là, on est sur un let's play de la pas détente, parce que je crie, parce que je m'émuse, parce que je fais beaucoup de bruit. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. On s'en remettra. Hop. Et c'est bon. Là, c'est le let's play du let's play. Ouroboros, encore un autre, c'est lequel celui-ci? Je ne te connais pas. Je vais apprendre à te connaître. Cool. Un petit moment holité. Holité que je n'arrive vraiment pas à savoir si c'est toujours très bon pour le corps humain ou non. Parce qu'il y a tellement... La vidéo holy, si vous ne l'avez pas vue, j'ai fait une dégustation de holy. Et il y a autant d'avis qui disent que c'est pas bon pour la santé que d'avis qui disent que c'est bon pour la... Enfin, que c'est pas moins nocif que le sucre. Dur de se décider. Bah, dégage. Donc, je n'arrive toujours pas à me décider si c'est bien ou pas. En tous les cas, tous les produits qui sont dedans, c'est comme tout. N'en abusez pas, c'est comme le sucre. Tout dérivé de sucre ou n'importe quoi, dans tous les cas, il ne faut pas en abuser, c'est comme tous les produits. Donc, du moment que vous abusez pas, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. C'est ce qu'il faut se dire. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah, là-haut. Pour retomber là. Parce qu'il faut que j'attrape tous ces trucs-là. Mais attends, est-ce qu'il y a moyen de... Hop. Ah non, c'est beaucoup trop loin. Je ne l'atteindrai pas. Il faudra juste... Alors eux, je les aime pas. J'ai l'impression que, je sais pas, ils ont une tête trop bizarre. Regardez-les là. On dirait qu'ils vont m'agresser. Il faudra vraiment que je me laisse tomber ici pour atteindre celui-ci. Hein. Il faudra pas que je l'oublie celui-là. Il devrait y avoir une petite carte pour qu'on puisse noter ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je réfléchis. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ok. Beaucoup de tac, tac. Et peu de touc, touc. Hop. Paf. Ah, regarde ça. Regarde-moi ça. Il faut regarder tous ces trucs là parce que c'est ce qui te permet d'améliorer ton perso. Donc ne passez pas à côté. Vivez l'aventure à 100%. Je vais essayer de pas perdre trop de temps non plus pour pas que le let's play dure 600 ans. Si toujours il y a let's play, il y a. Mais je vais essayer de, quand même, de vous trouver un maximum de choses pour que vous profitiez à fond de l'aventure.
C'est toujours mon but premier, c'est que vous profitiez à fond de cette aventure avec moi. Oh là 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 là. Attends, appuie sur lui pour... Ah, je peux utiliser le zaptant sur les adversaires directement. Ce qui me permet, on va dire, c'est qu'en cas de coup dur, je peux me téléporter sur eux. Voilà la machine qui attire inexorablement la planète. Ils auraient pu jouer la carte à fond de ça en rajoutant du temps. Que t'as du temps pour finir le jeu, sinon la Terre s'éclate. Personnellement, j'aurais moins apprécié, donc ça me va qu'il ne l'ait pas fait. Que j'aime bien prendre mon temps. Oh, c'est trop mignon les statues. J'aime pouvoir prendre mon temps, le temps me fait chier dans les jeux vidéo. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Pour moi le jeu, c'est un plaisir comme ça. Sans prise de tête, c'est le but du truc. Attends. Oh là là, il y a une caisse en plein milieu. D'accord. Ah! Bon, je crois que je l'ai eu. Bon, on n'a plus qu'à te remonter. Mais au moins, je l'ai eu. Hop là. Il y a des gens qui aiment avoir du temps dans les jeux vidéo. Pour eux, c'est une pression supplémentaire qu'ils apprécient, qu'ils prennent leur pied avec ça. Moi, non. Oh là, oh là, oh là, le jeu qui saccade un petit peu, là. Mais c'est ça que j'aime dans le Game Pass. C'est vrai que c'est un super moyen de découvrir plein de petits jeux comme ça que on n'aurait pas forcément acheté s'il n'avait pas été dedans. Et tu découvres des petites pépites grâce à ça. C'est un des grands intérêts du Game Pass, vraiment. De découvrir ce type de jeu. Que j'aurais sûrement regardé, mais est-ce que j'aurais mis 20€, 30€ dedans? Parce que mine de rien, bah 30 balles, bah c'est 30 balles quoi. Ça fait peur. C'est vrai qu'il y a... Ah oui, il y a du vent et il bouge pas. Waouh. Donc j'ai plus avec test que ça m'a perturbé. Juste pour dire que oui, 30 balles, bah c'est 30 balles. Et je comprends qu'on puisse pas tous mettre 30€ par-ci, 30€ par-là. C'est normal. Le jeu vidéo coûte cher quand même au bout d'un moment. Surtout qu'on a de plus en plus accès à beaucoup de jeux. Il y a de plus en plus de jeux qui sortent tout le temps. Quand on regarde maintenant l'industrie du jeu vidéo, c'est un truc de dingue le nombre de jeux qui sortent à la semaine. Alors qu'à une époque, il y avait un jeu de temps en temps qui sortait. Et maintenant, ça n'arrête pas. C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça j'aime toujours. La 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 la. Non, non, allez. Non, allez. Hop, je prends tout. On approche des 2000, donc bientôt ma tenue à améliorer. Je pense qu'on pourra l'améliorer avec un peu de chance avant la fin de cet épisode. Olé. C'est cool, c'est tellement fluide, j'adore. Hop. Ah, c'est bon. J'ai tenté des trucs en ralentissant le temps, mais ça ne sert à changer rien. Ouais, non, je crois que je me fais chier moi des fois. Hop là. Hop là. Et j'ai raté un truc là. Donc on va essayer de le récupérer quand même, mine de rien. Regardez la distance que je peux faire avec ça. Pff, trop rapide. Je peux aller là-bas, je peux aller là où il y a un truc qui brille. Si je le veux, il y a un truc par là. Donc là-haut, c'est doit être le truc des tenues qu'on a pu voir dans le premier épisode. Super. Bonjour monsieur le monstre. Il y a un bruit de monstre. Oh, c'est un chat. Oh, trop cool, j'aime les chats. Ça y est, on a assez pour améliorer le perso. Le truc qui me perturbe, c'est que j'entendais un bruit d'ennemi que je ne vois pas. Je suis en train de faire ça devant mon écran, quoi, pour essayer de mieux voir. Qu'est-ce que je suis con, bordel! Oh là là, bon bah tant pis, maintenant que je suis tombé, je suis tombé. Oh bah tiens, voilà, ça valait le coup de tomber.
Ce livre s'intitule Le Boucan du Manœuvre. Il célèbre la vie d'un brave voyageur qui passait de ville en ville pour aider les anciens à faire leur récolte. Je sais pas si ça sert à quelque chose de débloquer ce genre de truc, mais prenons-les. C'est quoi déjà le truc qui brille en bas? C'est le checkpoint. Super. Et il reste de l'autre côté. Un passage encore qu'on n'a pas fait. Il y a un truc là-haut? Non. Rien du tout. Là, il y a un petit truc là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit symbole? Hop, hop. Hop, hop. Ah! C'est plus haut que je le pensais. Ah! Je voyais ça autrement, moi. J'ai l'impression qu'il y a un passage en haut. Et à mon avis, tu dois redescendre par ici. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est fou que je suis. Ah, attends, il y a un passage par là. Non, non, c'est pas un passage. Je pense qu'il faut aller plus haut. Aller plus haut. Donc, faisons le tour. Yes! Oh non. Oh non. Ah, oh, je suis insupportable, bordel. Monsieur, ça va? Blood. It doesn't wash off. Are you okay? What happened here? I did it to protect them. L'iris. I'm sure you did whatever you could. Are you alone? Oh, il est trop cool. I just need to find him. C'est un chat, j'adore. Need him to forgive me. Que cherches-tu? On va d'abord s'intéresser à elle avant de s'intéresser à nous. Il y a le passage juste derrière, regardez le petit point blanc et tout, je pense que c'est le passage à suivre pour atteindre le sommet. J'aime le fait qu'on n'est pas seul dans ce monde, il y a d'autres personnes qui vivent leur aventure, donc on n'est pas le centre de tout. Et ça, j'aime. Qui cherches-tu? Ah merde, c'est pas ce que je viens de faire? Merde. Anyone who looks like me. Gunners. You can't run from them. I thought it was the only way to save us. I'm sorry. Dit comme ça. Dit comme ça, on dirait que c'était peut-être moi le méchant de l'histoire. Ah, je peux faire ça, d'accord, pour avoir les infos, c'est comme ça que je fais. Donc ici, il y a elle, l'iris, l'inconnu affligé. Qui n'a qu'un œil finalement. J'ai rencontré une inconnue dans un temple à côté de la falaise. Son peuple a vécu l'horreur. Elle était entourée de cadavres. Je ne les ai pas vus. Elle cherche quelqu'un qu'elle connaît, un autre survivant. Elle a dit qu'elle pouvait être dans les appartements à la tour d'horloge ou le bassin fait racine. Je devrais garder l'œil ouvert. Pourquoi elle a dit qu'elle est entourée de cadavres? Ah oui, des cadavres. Oh, putain, je les avais pas vus. Oh, ils sont limite mignons. Ah oui, il y a beaucoup de cadavres en fait. Mais j'ai l'impression quand elle dit ça que... Oh, sa petite queue-cha et tout. Ils sont morts en train de protéger quelqu'un. Regardez, oh, c'est trop mignon. On dirait que dit comme ça qu'elle s'en est pris au mien. Ah, je peux pas sauter, merde. Je peux rien faire dans cette pièce. Ah, mince. Ça qui est problématique. Je peux même pas courir quoi que ce soit ici. C'est un temple. C'est un temple protégé. Mince. Ah! Te voilà donc, Scarabée. Extrêmement classe, toujours. Toujours. Très, 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 très classe. Il y a un train. Oh, c'est trop beau! Et là, il y a des eaux. Moins beau. Oh non! Eh bah voilà, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi je peux remonter, c'est bon. Hop hop. Hop hop. Ah, je peux activer Sid. Coucou. Critical systems offline. Repair network to resume functionality. Anomalous power sources. Mise à jour sur la carte. Donc pour avoir accès à tout ça, il faut que je nettoie la zone. J'ai nettoyé déjà un. Sur 4 et après le boss.
Ok. Mais je peux quand même avoir accès aux services d'urgence. Cool. Scanner pour les cacher, voir. Ah, cool. D'accord, ça nous dit que dans la zone, il reste ça à chercher. Ça, c'est bien. C'est cool, ça peut, au moins ça permet de savoir si t'as fait la zone complètement ou pas. Allez hop, on améliore. Est-ce que à partir de là, après j'aurai un deuxième cercle, là, ça serait cool. Là-bas, il y a des méchants. Alors juste avant, je veux vite aller voir un truc. Ah ah. Ah ah, voilà. Comment on arrive là-haut? C'est pas ce que je voulais, mais ça marche. Nouvelle tenue? Oh, le journal de Erwin. Je vous laisse lire et je passe. Ah, intéressant. J'ai trouvé un élément de combinaison. Donc, s'il faut que je trouve tous les éléments afin de débloquer la tenue complète. Le truc, c'est de l'autre côté, il y a quelque chose. Mais j'ai pas pu l'atteindre. Mais on voit bien que c'est des explorateurs. Regardez, tout le matos et tout. Là-bas aussi, il y en a un. Regardez, on le voit en train de briller. Il y a des immeubles. C'est vraiment extrêmement, extrêmement stylé. Le seul truc, c'est que ça me perturbe, voilà, de ne pas avoir trouvé... Dès que je suis là, je peux plus sauter. De comment atteindre la partie supérieure, ici. Je suis trop bête, juste ici. Oh la vache, vous avez dû péter les plombs quand je suis passé. Il y avait un truc juste là. Je l'ai pas vu, je croyais que c'était du décor. Et voilà. Même le journal est quand même assez intéressant. Il faut les lire, donc je vous laisse les lire. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et hop, on a trouvé une deuxième partie de la combinaison. Yes. Je suis content d'y être arrivé, au moins ça s'est fait. Mais regardez toute la partie qui reste là-bas. Je pense que tout est explorable. Là-bas, la tour, etc. Tout est explorable. Regardez, il reste tout ça aussi là-bas. J'aime beaucoup. Allez, on retourne voir Sid. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ne ratez pas le prochain épisode, mercredi prochain. Franchement, mais le jeu est cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Il y a justement, j'ai dû vous faire péter un plomb de ne pas avoir vu cette marque noire qui était juste là depuis le début. Mais j'aime beaucoup. Parce que même les journaux sont intéressants. Le personnage, il a beaucoup évolué. Donc je pense que le cercle n'est incomplet. Parce que là, il ne me reste plus qu'une phase et j'ai fini mon bouclier. Donc ça me paraît quand même un peu rapide. Donc je pense qu'on va pouvoir débloquer d'autres choses par la suite. Améliorer par exemple aussi peut-être le temps. On peut ralentir le temps, je pense qu'on peut peut-être pouvoir l'améliorer. En tout cas, forcément, il y a des choses qui vont s'améliorer parce que j'ai bientôt eu le bouclier maximum alors que j'ai fait que peut-être 10% ou 15% du jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un énorme soutien. Le pouce bleu. Et puis, si vous avez un petit commentaire, parce que le référencement, bien entendu, hein, je vous fais des bisous. À très bientôt. Salut.